Alors, j'avais choisi comme sujet aujourd'hui la finance et le Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national, c'est le nouveau nom de l'extrême droite qui avant s'appelait le Front national, mais les gens n'ont pas changé. Il y a deux figures phares, Marine Le Pen et Marion Maréchal. Okay, so the title today is Finance and Rassemblement National. Rassemblement National is the new name for the previous Front National, which is a far right. But the people, so the name is new, but the people have not changed. And namely, you have Marion Maréchal Le Pen, and you also have Marine Le Pen. So the same people with a new name. Alors en France, depuis plusieurs années, historiquement, c'est François Mitterrand, donc qui était socialiste, qui a ouvert les médias au Front National, devenu maintenant à l'extrême droite en fait. Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, lui avait écrit en lui disant « voilà, c'est scandaleux, à l'époque le Front National faisait à peu près 0,5 et 2 %, on n'a pas accès aux médias, on ne peut pas exprimer nos idées ». Et François Mitterrand avait répondu « vous avez raison, c'est scandaleux et je vais changer ça ». Et à partir de là, le Front National et l'extrême droite a pu exprimer ses idées plus librement dans les médias. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait un calcul politicien de François Mitterrand qui espérait un peu faire instaurer, lancer un épouvantail, un peu quelque chose qui fait peur politiquement et couler aussi un petit peu les autres partis et notamment la droite pour pouvoir lui rester en puissance. Ok. It is François Mitterrand, the former president, who was a socialist president, who has decided to open the media to Jean-Marie Le Pen, because Jean-Marie Le Pen, the father, wrote to him and said, it's a core scandal, we don't have access to the media. And by that time, the far right will represent 0.5 to 2% of the electorate. And Mitterrand decided to open the media to them. It was a political calculus. So the two aspects of this calculus were that it would weaken the right wing, because they would get some of his voter, and also it would also frighten a bit the other people. Et au fil. I was just wondering, how does that work, opening the party to the media? Like in concrete, what is that? How do you. Comment tu ouvres aux médias? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que d'ouvrir un parti? Ça veut dire donner la possibilité, parce que les liens entre les politiques et les médias sont étroits, et faire passer le mot, en fait, qu'eux aussi doivent avoir accès aux médias pour que la pluralité des idées puisse être représentée. Et avant, c'était tabou, parce qu'on avait encore, notamment la Deuxième Guerre mondiale, hein, très présente et très ancrée dans nos mémoires en France. Et là, ça a été un signal, en fait, pour déverrouiller. Et ils ont pu développer leurs propres médias et aussi avoir accès à des médias qui, avant, hésitaient un peu à les inviter. Et là, il y avait le feu vert politique pour le faire, en fait. OK. Yeah, so it means that you have close links between political parties and the media. And by then, the context, the memory of the Second World War was still very present, and so it was a kind of taboo. And saying to the media that they should invite people from the far right was giving them a signal that they could invite people from the far right. Alors, dans la tête de François Mitterrand et dans la tête de beaucoup de monde, il était à l'époque impossible que le Front National et que les idées d'extrême droite reviennent en force en France. So in the head, in the mind of François Mitterrand and in the mind of many people by then, it was impossible that the far right would
que les îles françaises prennent de la force et montent en France. So they rise, that they rise in our country, in France. Et en réalité, petit à petit, on s'est retrouvé dans la situation en 2002 où, pour la première fois, l'extrême droite est arrivée au deuxième tour d'une élection et de l'élection présidentielle. And progressively, we came to a point in 2002 where the far right reached the second round of the presidential election. Et la situation s'est reproduite. Et si vous avez suivi un petit peu les dernières élections présidentielles chez nous, donc en 2017, il y a eu une mise en scène médiatique très forte. Et les deux candidats pour lesquels on était à peu près sûr qu'ils se retrouveraient au second tour étaient Marine Le Pen, donc de l'extrême droite, qui représentait ce qui s'appelait encore le Front National, et Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, pur produit de la finance, hein, ami des Rothschild, etc., qui a travaillé, qui a été banquier et qui a une idéologie ultra-libérale et individualiste. Et tous les sondages et au niveau médiatique, c'était les deux personnes qui étaient mises en valeur. Et c'était un peu comme dans un film, on savait qu'on allait assister à un affrontement extrême droite et la finance représentée par Emmanuel Macron. Tout ce qu'il y avait ailleurs comme alternative étant présenté comme des choses irréalisables, pas sérieuses. Okay, so we so the situation that we had in 2002, we got to the same situation in 2017 with the presidential election. And in a context in which the media and the polls would put forward two candidates and this future debate, this future second round between Emmanuel Macron and Marine Le Pen. Emmanuel Macron was a candidate of finance. He was supported by Rothschild, but not only. He represents a neoliberal, very liberal ideology from the economic point of view, and an individualistic one. Les Français se sont pas totalement laissés prendre au jeu parce qu'il y avait quand même une force alternative qui était le mouvement dont je suis issu, c'est-à-dire la France insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon a quand même réussi à rendre crédible et à faire 19%, donc il est arrivé en quatrième position, mais c'est un score pour la gauche, j'ai envie de dire la vraie gauche, quoi, les idées vraiment de gauche qu'on n'avait pas atteint depuis très longtemps. Donc il y a quand même une partie de la population qui ne s'est pas laissée prendre et qui a cru à cette alternative-là. Mais si vous regardez les projections pour les élections européennes, les derniers sondages montrent quoi? Ils montrent le Rassemblement national, donc l'extrême droite, tout juste devant la finance, c'est-à-dire La République en marche et Emmanuel Macron, et les autres bien derrière. So during the last presidential election, despite of the fact that the media had put forward Le Pen and Macron, they have tried to say that the other ideas, the other candidates are not serious. The French people have not fully followed, and especially there was a strong alternative representing the true left with Jean-Luc Mélenchon, and he reached 19% of the votes, which is a performance that had not been reached by the true left over a long span of time, right? But when you look now at the next polls, we have again the Rassemblement National, which is the far left, that comes first in the poll. The far right, sorry. high in the polls. Sorry, my mistake. And then the finance represented by the Emmanuel Macron, the people around him. Si on regarde un petit peu la vision
qu'ont des institutions, à la fois Emmanuel Macron et à la fois le Rassemblement national, on se rend compte qu'il y a des similitudes. Il y a une méfiance des institutions. Emmanuel Macron et le Rassemblement national, dans leurs éléments de langage, appellent ça le vieux monde. Et on a vu, on en a eu une illustration assez frappante. Alors, quand Marine Le Pen est convoquée par la justice, elle ne se rend pas toujours aux convocations. Quand elle parle des institutions et des élus, souvent... Alors maintenant, ils ont beaucoup d'élus, malheureusement, donc il va falloir un peu qu'ils changent leur discours. Mais il y a toujours une méfiance pour les élus, pour les institutions et pour le pouvoir législatif, en fait, pour le Parlement, c'est-à-dire à la fois pour le Sénat et à la fois pour les députés. Et ils sont pour un exécutif fort, voilà, pour maîtriser un petit peu l'exécutif. Et on retrouve ça chez Emmanuel Macron. On l'a vu éclater avec l'affaire Benalla, parce que derrière ce garçon qui se prend pour un policier et qui tabasse des manifestants alors qu'il n'est pas policier, il y a quoi ? Il y a la mise en place d'une petite police parallèle. Avant, on appelait ça les barbouzes. Voilà. Qu'est-ce que ça reflète ? Ça reflète l'idée que même les forces de l'ordre et tout ce qui existe là au niveau des institutions ne lui convient pas et qu'il veut sa propre bande, il veut sa propre garde. Voilà. Et ça, on le retrouve aussi chez le Front National. On a vu aussi... Please. Oh, sorry. Sorry. What the Rassemblement National, the far right, and Emmanuel Macron have in common is that, how do you say, méfiance, they don't trust institutions, méfiance, how would you... Suspicion? They don't trust the institutions, they call it the old world. And Marine Le Pen has often had this speech, very distrusting institutions, elected people, and the Senate and the Parliament. And from the side of Emmanuel Macron, you could see that during the Benalla affair. Have you heard about this? It is... a kind of private police. He was a guard of Emmanuel Macron. And during the demonstration on the 1st of May, he has beaten up demonstrators. He was not a policeman. And that came to the front in the media because there are videos of this. The guy was very close to Macron. He has beaten up the people who were demonstrating on the 1st of May. And this illustrates the fact that Emmanuel Macron, like the Rassemblement National, mistrusts institutions and wants a kind of private police around him. Il y a un exemple aussi qui est intéressant, parce que l'initiative a été d'un groupuscule de l'ultra-droite qui s'appelle Génération Identitaire, au mois d'avril, à la frontière des Alpes, en France. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que, évidemment, Emmanuel Macron n'était pas au courant de ce qui allait se passer, mais ils ont laissé faire, le gouvernement a laissé faire. Laissé faire quoi ? Allez, je vais vous le raconter. Okay. So there is an interesting example with Génération Identitaire, a very far right group near the Alps, yeah, near the border of the Alps, and the government has decided to let it be. Ça a suivi, ça avait un rapport avec l'actualité qui était la loi asile-immigration, qui a fait beaucoup de débats. Et sur laquelle, qui était une loi dont je vous parlerai après, et sur laquelle le Rassemblement national ne s'est pas vraiment opposé. Il ne la trouvait pas assez forte, mais il y avait quand même beaucoup de mesures qui lui convenaient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Génération Identitaire, donc un groupe de l'ultra-droite, a fait venir des gens de toute l'Europe, à la frontière des Alpes, en France, et ont décidé que c'est eux, à partir de maintenant, qui allaient assurer le maintien de l'ordre et qui allaient faire la chasse aux migrants, pour attraper les migrants qui traversaient la frontière, qui n'avaient pas de papier, et ils les ont remis aux forces de l'ordre, donc à la police française.
Okay. you could see that during the law on asylum and immigration that has been passed when, quel mois? Avril. In April. First of all, in the parliament, the Rassemblement National, so the far right, did not oppose to this law, not really. And it was worse because you had this group called Génération Identitaire, so this far right group, who decided to have people like them coming from all over Europe and to catch migrants and to give these migrants to the French police at the border with the Alps. Ce qui est assez effrayant et intéressant politiquement, c'est que la police française a pris les migrants que Génération Identitaire lui a menés et n'a pas demandé à Génération Identitaire de quitter les lieux. Or, le maintien de l'ordre en France, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État, et c'est dévolu à l'État. Voilà. Et là, on sent bien que derrière ça aussi, il y a une volonté déjà de muscler l'ordre un peu. Et Emmanuel Macron n'a pas garanti la fonction régalienne de l'État. Il aurait pu réagir en disant « nous sommes en République et c'est à la police française d'assumer ces fonctions-là ». Il a laissé faire. So, this very interesting politically and frightening, the French police has taken these migrants. They have not demanded or asked that Génération Identitaire leaves. And normally it should be the role of the police. So the police has a, how do you say, régalien, has a... régalien. Yeah. Oui, c'est ça. Yeah. What is it in English? Yeah. Sovereign. Okay. Yeah. So it's a sovereign function of the state normally to maintain order, and the police should have asked these people from Génération Identitaire to leave the place, and they shouldn't have accepted that they deliver migrants to them. Bientôt, il y aura la réforme des institutions à venir. Ça devait passer cet été. Et comme il y a eu l'affaire Benalla, Macron l'a quand même repoussé parce qu'il a senti que ce n'était pas très opportun. OK, soon we'll have the reform of our institutions. We should have had this over the summer, but it has been delayed before of the Benalla case I told you about earlier. Alors la réforme des institutions, qu'est-ce que Macron veut en faire? Macron veut réduire un petit peu ou beaucoup, on verra selon ce qu'il arrive à faire, les pouvoirs du législatif, c'est-à-dire du Parlement, c'est-à-dire du Sénat et des députés. Alors depuis longtemps, depuis quelques mois, moi c'est mon premier mandat, mais on voit bien depuis juin 2017 qu'il y a une volonté d'accélérer le temps des lois. Ils veulent que ça aille toujours beaucoup plus vite. Ils font beaucoup de séances de nuit, beaucoup de séances le week-end, et on entend souvent que c'est trop long, que ça prend trop de temps, et que ce serait mieux si l'exécutif avait un petit peu plus la main. Et on a des délais de plus en plus courts, avec des rythmes qu'aucun cerveau humain ne peut soutenir. So, what does this reform of institutions mean? It means that they will shrink the power of the Parliament and the Senate, and there is a clear will to increase the speed of the laws, that is the speed in which laws are voted, and to shorten the delays that are taken. So now the speed is such that no normal human brain can follow this speed. Alors, on entend aussi dans le gouvernement Macron, mais aussi beaucoup dans les médias, et bon, évidemment, il y a des liens évidents entre eux, que ça coûte cher.
Les députés coûtent cher, la démocratie coûte cher, nos bureaux coûtent cher. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on entend? C'est la démocratie coûte cher. Okay, so there is that speech now within the Macron government and the media that the members of parliament are expensive, and what you should hear behind this is that democracy is expensive. Il y a par exemple l'idée dans la réforme des institutions, ce qui a fuité, de diminuer le nombre d'élus, le nombre de parlementaires, de 30%. So within these reforms of institutions, they want to diminish the numbers, the number of members of parliament by 30%. One third. 30. Alors là, on est, on y a 500. How many elected people we have in parliament? 500. Ok. Concrètement, chez moi, dans l'Hérault, ça se traduirait par on passerait de 9 députés à 5 députés. So in the circumscription of Muriel, we would we had 9 and there would be 5. So but you don't know the global number, No. Ils l'ont pas encore. They have not decided on the exact diminution of it. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on a un travail d'élu? Ça veut dire que votre circonscription, c'est-à-dire le territoire que vous couvrez, s'agrandit. Et que vous avez de plus en plus de difficultés à rencontrer tout le monde et à avoir un lien de proximité avec les gens. Et c'est difficile aussi pour les gens de savoir qui est leur élu. So that would mean on the concrete basis that the size of the circonscription, which is the size of the territoire. Constituency, yes. The size of the constituency would increase. And so it makes it more difficult for you to meet the people you are elected by. Donc ça, il faudra y faire très attention, parce que derrière, on sent, et ça c'est un discours aussi qui est commun au Rassemblement National, c'est-à-dire tous pourris, ils coûtent cher, ils font rien. C'est un discours qu'ils vont avoir du mal à tenir, parce que maintenant, ils ont pas mal d'élus, mais à une époque, ils avaient un slogan qui s'appelait même propre et tête haute. Okay, so this is also common between Macron and the Rassemblement National because they say that all elected people are rotten, they are expensive, they do nothing. So now it will be harder and harder to the Rassemblement National to keep on saying that because there are more and more elected people. But at some stage, their slogan was tête haute et main propre, so which means that head up and clean hands. Un autre domaine où on voit bien aussi qu'il y a une vision commune et en tout cas pas d'affrontement entre eux, c'est surtout ce qui touche à la fiscalité et à la justice fiscale. Au moment donné où Emmanuel Macron a fait passer dans l'hémicycle la suppression de l'ISF, l'ISF, qu'est-ce que c'est? C'était l'impôt sur la fortune et la solidarité. Ok, so another domain in which there are things in common between Macron and the Rassemblement National is what is related to the tax system. And tax justice, and especially at the moment where Emmanuel Macron has suppressed a tax we had on the rich, which was called Impôt Solidarité Fortune, so a tax on the very rich in the name of solidarity. Elle a été remplacée par ce qu'on appelle l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière, qui n'est pas un impôt progressif, mais qui est un impôt forfaitaire. So this tax has been replaced by a new one called qu'est-ce que ça veut dire ici déjà? Impôt sur la fortune immobilière. So tax on your dwellings. You know when you have how should I translate that? Impôt sur la fortune immobilière. Ah ben voilà.
not necessarily secondary on dwellings, but when your dwellings have a high value, this is the principle. So, and it's not a progressive tax like the previous one that was progressive. This one is a flat tax. Yeah. Et le Rassemblement national était tout à fait d'accord avec cette modification. And so the far right fully agreed with this change. Parce qu'ils ont tous les deux l'idée que ce sont les riches qui font vivre l'économie française. Et que si on les embête trop et qu'on leur demande un peu trop de payer, ils iront ailleurs. So they both share the ideas, so the Rassemblement National and Emmanuel Macron, that it is thanks to the rich that it is the rich who fuel the French economy, and if we put too much taxes on them, they would leave. Je vais vous donner un exemple. De la fraction du patrimoine à taxer et du taux applicable de l'IFI, parce que je trouve que c'est intéressant. Ok. Ça, je pourrais l'avoir. Ça, c'est bon. Ok. So, there will be an example of the of this new tax called IFI and the rates that are applicable. Jusqu'à 800 000 euros, 0%. Vous êtes imposé de 0%. So, if your dwellings are valued up to 800,000 euros, your tax is zero. Okay. Entre 800 000 euros et 1 300 000 euros, 0,5%. So between 800,001 euros and 1,300,000 euros, the tax rate is 0.5%. Entre 1 300 000 euros et 2 570 000 euros, 0,7%. So between 1,300,001 euro and 2,570,000 euros is 0.7%. Et la dernière tranche, au-dessus de 10 millions d'euros, alors 10 millions d'euros, bon, faut les avoir, 1,5%. And it goes like this, and when you reach the threshold of 10 million euros, your tax is 1.5%. Sachant que la résidence principale fait l'objet d'un abattement de 30%. So your main residence, you should take the figures I've given you and subtract 30%. In order to compute your tax. So, for example, if you take the 10 million euros, you have to deduce 30%. Okay, and so plus, you see what I mean. Plus des exonérations partielles ou totales sur les immeubles utilisés pour une activité professionnelle. Les biens ruraux loués à long terme ou les bois et les forêts exploités. Plus various exemptions in many cases. For example, if you use your building for professional activity, if you are in a rural area and you rent these goods in the long run in the woods and exploited forests and so on. Lots of exemptions. On voit que c'est quand même une politique fiscale qui est extrêmement avantageuse pour les plus riches. So this fiscal policy is very interesting for the richest people. Et le Rassemblement national et la finance, représentée par Emmanuel Macron, sont tout à fait d'accord et partagent cette vision-là. So what the far right and Emmanuel Macron share here is this vision that we should be very kind with finance. À l'inverse, nous proposons d'instaurer 14 tranches d'impôts pour avoir une progressivité et par contre de beaucoup plus taxer les revenus les plus hauts. So to see the difference, the France Insoumise proposes is to have 14 different thresholds
for taxing people. On retrouve aussi chez eux l'idée qu'il est impensable de remettre en cause l'économie financière. Yeah, what they also have in common is that it is out of question to put in question finance, the financialization of the economy. Avec une petite différence, c'est que le Rassemblement national souhaite favoriser les plus riches, les patrons les plus riches, les patrons français. The small difference is that the Rassemblement National wants to favor the richest bosses who are French. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, pour qui tous les riches sont à favoriser. Which is not the case for Emmanuel Macron, who is in favor of all the rich people. Voilà. Donc il n'y a pas de vision d'économie un peu plus humaine et respectueuse de l'environnement et des hommes. Qu'on pourrait relocaliser sur, je ne parle même pas de l'économie sociale et solidaire, mais même l'économie circulaire, etc. Il n'y a aucune réflexion à ce niveau-là. So there is they have not any vision about, you know, an economy that would be more humane, that would be relocated. Not to mention économie sociale et solidaire, the economy that is the local economy, the local economy beaucoup en coopérative, cooperatives and these kind of things. Okay, there is nothing about this. Évidemment, il n'est pas question non plus de redistribuer les richesses autrement ou d'augmenter les salaires. So it is, of course, it is out of question to increase wages or to distribute wealth in a different way. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quand Emmanuel Macron a décidé, c'est une arnaque, mais bon, soi-disant pour augmenter le pouvoir d'achat des Français qui travaillent, de supprimer les cotisations sociales, le Rassemblement national était tout à fait sur la même longueur d'onde, et vous verrez après plus tard ce que ça implique dans une autre partie. So, another interesting point is that at some stage Emmanuel Macron has decided to suppress social contributions on wages and allegedly to increase the wages. But it's very interesting, and you will see why in a few minutes. Il y a aussi l'idée, alors on l'entend depuis très longtemps chez le Rassemblement national, à l'extrême droite, qu'il y a des fraudeurs aux aides sociales, que les chômeurs sont des assistés et qu'il faut faire quelque chose pour remettre ces gens-là au travail, pas en les aidant, parce que ce sont des profiteurs, mais plutôt en les surveillant et on appelle ça chez nous la carotte et le bâton. Là, ce serait plutôt utiliser le bâton, voilà, pour les remettre au travail. Et c'est une idée aussi que partage Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron est un grand poète. Quand il parle des gens les plus fragiles et du peuple, vous avez entendu « ceux qui ne sont rien ». Dans le Nord aussi, c'est les illettrés, ceux qui boivent, etc. Donc, il y a une vision des gens les plus fragiles et des gens les plus modestes qui est très significative. OK. What they also have in common is their vision of the poor people. So there is a whole speech about the people who cheat on social aid, the people who are assisted. And Emmanuel Macron is a kind of poet when he speaks about these people because he says the people who are nothing, the illiterate, those who drinks, etc. When he speaks about the poor people. Et chez Emmanuel Macron, donc chez la finance et chez l'extrême droite, le Rassemblement national, on retrouve aucune mesure contre la fraude fiscale. La fraude fiscale en France, c'est chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros par an. C'est une estimation. À l'inverse, la fraude aux aides sociales est estimé à 700 millions d'euros par an. 60 ou 80 milliards. Et 700 millions d'euros. Okay. Pour donner une idée des enjeux. Okay.
So what they also have in common, Macron and the Rassemblement National, is that there is nothing about tax evasion. Tax evasion represents every year between 60 to 80 billion euros every year, while the people who cheat on social benefits represent something like 700 million. 60 to 80 billion wow. against 700 million. Wow. Il y a aussi un point qui est assez intéressant, c'est leur vision des services publics. Je continue. Alors, par exemple, si on parle des fonctionnaires, alors vous savez que chez nous, les fonctionnaires servent l'État et ont un statut particulier. Pourquoi ils ont ce statut particulier ? Parce qu'ils doivent être indépendants et ne subir aucune pression. Donc on leur a donné un statut particulier. Et tous les deux sont pour la suppression du statut de fonctionnaire qu'ils considèrent comme des privilégiés et aussi, il faut bien le dire, un peu des feignants. OK. So another interesting point is about how they see public services and especially civil servants. In France, civil servants are independent in order to avoid them being under pressure. And how they see these people is that they're lazy and they are... Ils sont comment, les fonctionnaires, ils sont... Indépendants et libres. Et ils les considèrent comme des feignants, okay. Un peu comme des feignants et comme des privilégiés. Lazy and privileged people. Derrière, il y a une petite musique qui court sur les fonctionnaires et on dit, voilà, maintenant les temps sont durs, il faut réduire les dépenses publiques. Et alors évidemment, il n'est pas question de faire l'égalité par le haut, c'est toujours l'égalité par le bas. Et on essaye de mettre un petit peu les gens, les Français, les salariés les uns contre les autres en disant, regardez, regardez ce qu'ils ont, eux, et vous, vous ne l'avez pas, donc il faudrait quand même leur enlever. Okay. On ne va pas le donner à tout le monde, mais on peut leur enlever au moins. Voilà. So the speech that they use is that say, look, we are going through hard time. We need to cut public spending. And look at these people that have lots of advantages so that you don't have. So we have to remove these advantages from them. So it's not equality by promoting the people who don't have enough status or power or wages. It's equality by removing, you know, disadvantages to the civil servants. Cette année, par exemple, dans l'enseignement secondaire, alors que les élèves vont augmenter du fait de la démographie, 2650 profs vont être supprimés et l'extrême droite n'y trouve rien à redire. So an example is that in secondary school teaching, 2,650 professors will be suppressed, and the far right says nothing about that. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la suppression des cotisations sociales. Alors nous, on appelle ça cotisations sociales. Eux, ils appellent ça des charges sociales. So earlier, we were talking about the suppression of social contribution, and we call that social contribution, but they call it a social burden. Alors, l'idée qu'il y a derrière, alors, ils le vendent, comme on dit souvent, on dit tout s'habille, donc ils le vendent un peu aux gens en disant, vous payerez moins de charges, de cotisations, donc vous gagnerez, allez, 50, 100 euros de plus net par mois, ce qui, pour les gens qui ont des petits salaires, est énorme. Tu as dit combien, quelle somme ? À peu près entre 100 et 150 euros par mois, selon les salaires, quoi. Ça peut après monter, mais pour des petits salaires, 50 ou 100 euros, c'est énorme. So, how, yes, how they sell it to the public is to say, look, You will pay less taxes, and the amount is 100 to 150 euros per month, which is huge, especially for low wages. Alors, je vais vous donner un exemple avec l'assurance maladie.
Qu'est-ce que ça veut dire si on supprime les cotisations sociales des salariés pour l'assurance maladie et à quoi servent ces cotisations sociales? Pourquoi on cotise? C'est ce qu'on appelle le salaire différé chez nous. C'est-à-dire que c'est un système assurantiel, vous payez, et quand le risque se réalise, quand vous êtes malade, quand vous devez à l'hôpital, quand vous êtes en arrêt maladie, quand vous êtes remboursé, on vous redonne le salaire différé. So, the example we are going to talk about now is health insurance. In France, health insurance is considered as a différé, as a lagged wage, or a différé, that you, a wage that you can get earlier in case you get sick. Okay? You pay social contributions on your wage, and then it's considered as part of your wage because then if you get sick, you get the corresponding income. C'est un système assurantiel et solidaire parce que tout le monde paye proportionnellement, l'argent va dans un pot commun et sert après à tout le monde. C'est un système qui avait été créé en 1945, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je le rappelle parce qu'à ce moment-là, la France était exsangue. Et il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, et on avait choisi ce système de solidarité. Il faut le garder dans la tête parce que pour l'éliminer, que ce soit la finance ou l'extrême droite, le discours c'est on n'a plus les moyens, on ne peut plus continuer comme ça. Ok, so this system had been created in 1945 as an application of the program of the National Council of Resistance, if I may add something. Ambroise Croizat. Which is Ambroise Croizat. Who is the person who created that. And it has been created in a context where France was very poor. We had nothing at that stage. And still we decided to go for this system, which is a system of solidarity, right? And today the speech is to say, look, we cannot afford it anymore. Why it has been created in a context in which France was much more poorer. Et il y a quelque chose d'assez machiavélique. On se sert du fait que les gens n'ont plus de quoi vivre dignement avec les salaires qu'ils ont pour leur dire, regardez, on va vous donner 50, 100 euros de plus par mois, vous allez être contents. Et derrière, on supprime quoi? On supprime le financement de l'assurance maladie et de l'assurance chômage, parce qu'ils ont fait pareil sur l'assurance chômage. Et donc, on est en train de scier la protection sociale en France. Et de changer complètement de système, qui sera un système après, j'ai envie de dire, anglo-saxon, c'est-à-dire c'est l'État, c'est l'impôt. Ce ne sera plus un système assurantiel assuré par les cotisations, mais ça sera maintenant l'impôt qui, alors maintenant dans quelques années, mais ça va arriver assez vite, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent que ce soit l'impôt qui finance tout ce qui était sécurité sociale. So, you know, Machiavellian. Yeah, it's Machiavellian because in the current stage of things, people have a hard time to survive, so they don't have the means of surviving properly with their wages. So they are happy to get 100 euros or 150 euros more. But on the other hand, what the government does is to suppress the financing of the health insurance and the financing of the unemployment insurance and to replace that with taxes. Pour compenser, ils font monter la part des mutuelles. Donc les mutuelles, c'est ce que vous devez payer en plus. Et de plus en plus, les gens, pour pouvoir se soigner, alors les gens qui ont de l'argent, parce que on sait qu'entre 30 et 36% des gens, selon les endroits en France, renoncent aux soins par manque d'argent déjà. Combien? Entre 30 et 36% selon l'endroit où tu es. Chez okay. Moi, c'est 32%. OK. So, and they increase the share of the mutual, you notice private health insurance, progressively. And the result of that is that between 30 to 35%, depending on where you live, don't go for healthcare when they need to be taken by a doctor. They don't go to the doctor.
Et avec ces systèmes-là, quand on regarde les pays où ça existe, en général, ce sont des pays où, comme c'est payé, financé par l'impôt, on vous rembourse, on peut soigner quelques maladies chroniques et on vous accompagne, ce que j'appelle vous accompagner gentiment vers la mort, quand vous avez vraiment des maladies graves. Voilà, là on vous accompagne, mais entre les deux, c'est vous qui devez vous débrouiller tout seul. On passe d'un système assurantiel et solidaire qui concernait toute la société à maintenant quelque chose qui deviendra, ils en rêvent depuis longtemps, individuel. So, the move, the general move here is to move from solidarity and assurantial system to an individual system. So you will, with the new system, you will cure a few chronic diseases here and then. You would accompany the people who have very bad diseases, but in between, it's up to you. So it's fully individual. Et ça, c'est possible. Cette mise en place de ce changement de système en commençant justement à assécher le financement en disant aux gens on supprime les cotisations sociales. And this is possible because they have decided to dry up the financing of the system by suppressing social contributions. Bientôt il y aura la réforme des retraites aussi. Alors ça c'est pareil, ça fait longtemps qu'ils en rêvent et là le Rassemblement National pareil hein, est sur la même longueur d'onde, ils ne trouvent rien à redire. C'est passé du système des retraites actuel, qui est pareil, qui est un système assurantiel, vous cotisez. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous avez des petits salaires et qu'on vous dit « mais je te donnerai des primes », il vaut mieux prendre les augmentations de salaire que les primes, parce que les primes ne comptent pas pour tout ce qui est assurantiel et notamment pour la retraite. Voilà. Ok, so we have the same spirit on which the far right agrees on the pensions that will be reformed soon. And here also we move from an assurantial system in which you have solidarity to a more individual system. Ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est ce qu'ils appellent la retraite à points. Ils ne l'assument pas encore. Ils vous disent non, ce ne sera pas tout à fait ça, on trouvera un compromis. La retraite à points, qu'est-ce que c'est? C'est pareil. Avant, c'était toute la société qui était concernée, on cotisait. Et puis après, il y avait une somme et tout le monde recevait. Maintenant, ce sera individuel. C'est les points que vous aurez, vous, qui compteront uniquement pour vous. OK. So what will we have as a system is the pension with points. So before, the full society will contribute and then there will be a sum that will be redistributed to everyone. Now it will this new system will become fully individual. It's up to you. Donc ça, ce sont des attaques sociales extrêmement fortes que partagent la finance et l'extrême droite chez nous en France. So all these things are attacks against the social system that the finance and the far right have in common. Si on regarde un petit peu maintenant tout ce qui touche au monde du travail et à la vision qu'ils en ont, on se rend compte qu'ils ont en commun aussi la négation de la lutte des classes. Yes, when it comes to labor and the vision that they have about labor, what they have in common is to deny the struggle of the classes. Vous avez dans le discours d'Emmanuel Macron qui se veut un mouvement assez, il n'aimerait pas ça, mais c'est presque un mouvement pour moi populiste. Il y a la négation de la gauche et de la droite. Il s'est fait élire en disant, il ne faut pas faire de clivage, il ne faut pas parler de gauche, il ne faut pas parler de droite, il faut être intelligent, prendre en compte tous les avis, on se met autour de la table et on trouvera la meilleure solution. So in the speech of Emmanuel Macron and his movement En Marche, there is this kind of populist view, which is a denial of the left wing and the right wing. He said, okay, there is no left wing, there is no right wing, let's sit around the table and do what is best. Et si vous voyez la société comme ça, effectivement, vous niez
les rapports de force entre les gens, vous les minimisez, vous niez la lutte des classes, et du coup, quand il vous arrive quelque chose, c'est plus une question de rapport de force. Si vos salaires sont petits, si votre boulot vous plaît pas, si vous pouvez pas vous soigner, si vous êtes au chômage, c'est pas la faute de la société ou des politiques, c'est que vous vous êtes mal débrouillé. So, the consequence of that, of this vision of society, is to deny the balance of power, to deny the struggle of the classes. So, if your wages is too low, if you are unemployed, if you are sick, it's not because of society, because society is like this, is because you did not do well individually. Ce qui rend effectivement, de leur point de vue, l'action politique assez inefficace, voire on peut même se demander à quoi ça sert, si tout est de la faute de l'individu, et on comprend mieux pourquoi ils disent il y a trop de politique, ça coûte cher, et ils profitent, et il faut les réduire, et tout mettre et reconcentrer tout ça dans les mains d'un exécutif fort. So, the consequence of that, if you see society like this, it is if it's up to the individuals, so you see the consequence. The political, all political actions are inefficient, et l'action politique est inefficace, et puis est inefficace, et même on peut se demander à quoi elle sert si elle a lieu d'être. So, You could even wonder if there is any space for political action. What is policy about? Et donc il faut renforcer l'exécutif. So you need to reinforce the government and to get rid of all these unnecessary members of parliament and all these scales of democracy and so on. On voit aussi leur positionnement commun en ce qui concerne les mouvements sociaux et le syndicalisme. So they also the Macron and the far right also have the shares the same vision about social movements and unions. Alors pour le droit des travailleurs, vous savez qu'il y a eu une des premières mesures d'Emmanuel Macron, donc de la finance quand il est arrivé au pouvoir, ça a été de s'attaquer au droit du travail et ça a été les ordonnances travail, la déréglementation totale du droit des travailleurs. So as you know, when Macron came to power, one of the first things he did is to attack the workers' rights and to deregulate the Code du Travail, how do you say that, the law on labor, the labor laws, strongly. Et l'extrême droite était tout à fait d'accord avec ça. And the far right fully agreed with that. On a eu ces derniers mois beaucoup de mouvements sociaux. Il y a eu des mouvements contre la loi travail. Il y a eu aussi des étudiants qui se sont fortement mobilisés. Pourquoi ils se sont mobilisés? Parce qu'il y a eu une réforme de l'enseignement supérieur qui instaurait un modèle de sélection dans les facultés. Et il y a également en cours une réforme du bac, qui est extrêmement grave parce qu'elle introduit un pourcentage de contrôle continu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon l'endroit où vous serez, selon le lycée où vous allez passer votre diplôme, qui sera réputé pour noter un peu plus large ou un peu plus sévère, votre diplôme n'aura plus la même valeur. So, over the course of the past months, we had lots of social movements, one against the new labor laws, another one of the students, because we had a reform of the faculty system where they introduced selection. Up to then, we had selection for the master's degree, but not when it was in the first year. Okay, you had your baccalaureate, you could enter the universities that has been reformed, and now they want to reform the baccalaureate, okay, which is a diploma that allows you to access the university by introducing a strong percentage of continuous marking, which means that at the end of the day, the diploma you will get will strongly depend on the place in which you did your studies. It was not the case before because we had a national scale exam. Et les étudiants aussi luttaient contre le fait qu'il y aurait, comme il y a moins d'argent donné à l'État aux universités,
Les universités doivent maintenant se débrouiller de plus en plus seules et font appel au privé. Et donc les entreprises rentrent dans les universités et forcément ça change le contenu du savoir, de ce que les gens apprennent, parce que les entreprises ont une vision de rentabilité à court terme. Et donc on ne forme plus des citoyens émancipés avec l'esprit critique. Le but, c'est de former quelqu'un qui aura la connaissance du logiciel dont on a besoin dans mon entreprise, les mots de vocabulaire qui conviennent pour mon entreprise. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'employabilité et la marchandisation du savoir. Et dans ces mouvements-là, il y a eu un discours commun d'Emmanuel Macron et du Rassemblement national pour critiquer les étudiants qui se mobilisaient. Il y a eu des exactions commises où des membres de l'ultra-droite ont été identifiés comme ayant participé contre les étudiants, hein, notamment chez moi à Montpellier. Il y a eu Marine Le Pen, parce que moi j'ai participé à des manifestations, mais comme j'y participe depuis que je suis très jeune, aux côtés des étudiants, on était des punks à chiens. There has been a strong student movement against these new, universities are poorer and poorer in the current context, and they tend to introduce, private funding from enterprises. And if firms enter the university, the concern is not about training students to critical views, is the concern is to be profitable in the short run. So you had movements in some universities, especially in Montpellier, where Muriel took part, and the far right called them, and also Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, non. No. But the far right called these people punks with dogs. Emmanuel Macron et la ministre de l'enseignement supérieur, Madame Vidal, se sont contentés dans l'hémicycle et à l'extérieur de nous rappeler à l'ordre en disant que des élus n'avaient rien à faire dans les mouvements sociaux, ce qui, moi, me fait carrément halluciner, parce que si notre place, c'est de jouer au golf et d'être dans des salons privés pour se partager les postes, c'est qu'on n'a pas du tout la même conception de ce que c'est qu'un élu. So Emmanuel Macron and Mrs. Vidal, who is the Minister of Higher Education, have said to people like Muriel that elected people have nothing to do with social movements, so they should not do that. So Muriel says, if our role is to spend our time playing golfs and being in nice salon for discussing the different jobs, they don't have the same vision of what an elected person has to do. Sur l'immigration, enfin, on a eu une loi assez terrible qui est passée, asile immigration. Et là aussi, l'extrême droite et la finance et le gouvernement d'Emmanuel Macron se sont retrouvés main dans la main, même si le Rassemblement national disait que dans certains cas, on pouvait aller plus loin. Je vais aller vite parce qu'il faut terminer. En quoi ça consistait ? Ça consistait... Just to translate that on immigration, we had this terrible law on asylum and immigration. And even if the Rassemblement National, so the far right, has said on some point we could go further, be harsher, they had lots of things in common. Notamment la criminalisation des étrangers et de ceux qui aident les étrangers, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un dans la rue, il y a des gens qui les hébergent, il y a des gens qui leur donnent à manger, il y a des gens qui les aident à faire leurs démarches. Tout ça, il y a des gens qui se sont fait arrêter récemment pour avoir aidé des migrants et des sans-papiers. Également, en ce qui concerne la rétention des mineurs dans ce qu'on appelle les CRA, alors ce sont des centres. Alors on vous dit que ce n'est pas une prison, moi j'en ai visité plusieurs. Bon,
je les invite à y passer une semaine ou deux, hein, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ou à l'époque c'était Gérard Collomb, et je pense que ça leur ferait un petit peu changer d'avis. Ce sont des centres où on met les sans-papiers en attendant de savoir clairement ce qu'on a fait et la plupart du temps de les renvoyer chez eux. Avant, on pouvait y rester jusqu'à 45 jours. Ils ont doublé la durée. Maintenant, on peut y aller jusqu'à 90 jours. OK. So, and in this law about immigration, strangers and people who help them are seen as criminals. Mm. So if you don't help migrants, because you will be considered now as being a criminal, and you can also detain people who are under 18, c'est ça, c'est les mineurs, hein? In the so-called CRA, ça veut dire quoi, CRA? CRA, c'est les centres de rétention administrative. So administrative retention centers, where they put people, who don't have the official papers, migrants. So they say those are not prisons, but as a matter of fact, the conditions there are close to the ones in prison, and it's even worse. And before, under the previous law, you could put people there up to 45 days. Now, under the new law, you can keep them there up to 90 days. So they double the duration of the stay. So where these young migrants are put in these kind of prisons, and they stay there up to 90 days now. Quelque chose qu'ils ont en commun aussi, c'est le choix entre ce qui serait considéré comme des migrants acceptables et des migrants qui ne le sont pas. Dans la loi asile-immigration, il y a des mesures qui favorisent les gens qui vont venir travailler dans certaines entreprises en France ou dans le cadre aussi d'échanges universitaires, de travail au pair, les jeunes filles au pair, etc. Et d'autres qui sont considérés comme, j'allais dire, indésirables, dont on n'a pas besoin. Et cela, les conditions sont extrêmement dures et ont été durcies encore plus. So, what they also have in common between Macron and the far right is the choice of migrants that are considered acceptable and those who are not. And for those who are considered not to be acceptable, conditions have become tougher. Enfin, pour finir, il y a quelque chose de plus inattendu. C'est au niveau de leur positionnement sur des sujets de société qui vont de la religion à la laïcité ou, par exemple, à la PMA. Chez Emmanuel Macron, on voit, il est allé beaucoup parler aux évêques. Il a eu des propos, notamment sur l'homosexualité, assez étranges, en disant qu'on pouvait peut-être rééduquer, alors ce n'était pas le mot exact, les homosexuels, voilà, quelque chose d'assez étonnant, qu'on retrouve aussi dans une grosse partie de l'extrême droite, la remise en question aussi de la laïcité. La laïcité, pour nous, c'est la loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État, qui permet aux gens qui croient de pouvoir pratiquer leur religion, mais qui la différencie de l'action politique. Par exemple, un élu ne va pas, avec son écharpe d'élu, assister à une messe ou à des choses comme ça. Et Emmanuel Macron... Sorry, but I need to interrupt you. To conclude, what can be more surprising is that sometimes they also have a common view about topics related to society and especially religion. Laïcité, is that right? Secularism. Yeah, secularism, sorry. It's because economy, secular stagnation, no, secularism. Yeah. Secularism, yes. And the medical assistance to procreation. Yeah. Okay, so, and especially Emmanuel Macron has had very weird speeches about religion and even homosexuality.
He said that in some cases we can re-educate homosexuals. Re-educate. C'est pas le terme exact, mais c'est ce que ça voulait dire. He didn't say that exactly, but that's what it meant. Alors c'était un autre mot que ça. C'était pas le mot rééduquer. It was not re-educate. Qu'on pouvait les aider. We can help them, you know, voilà. Because they have an issue, because they are homosexuals. Right. C'est ce qu'on... And also in France, we had this very important law of 1905 of the separation between the church and the state, which means, for example, that if you are elected, of course you can still go to church, but not with, you know, not with your official... écharpe tricolore. How do you, scarf of the French Republic. Voilà. Et au niveau de la laïcité, tous les deux remettent petit à petit en question la laïcité en prenant pour prétexte l'islam radical qui se développerait en France. Par exemple, Emmanuel Macron a, alors par Gérard Collomb, hein, qui était son ministre de l'Intérieur, maintenant c'est Castaner, avait envoyé une lettre à tous les préfets disant qu'il allait avoir une réflexion sur comment était organisé l'islam en France, ce qui est une violation de la laïcité, et il prévoit de faire une loi pour encadrer l'islam. Ok, so taking the pretext of the development of Islamism, Emmanuel Macron is putting into question laïcité in our country, and he has done that with his former minister Gérard Collomb, and now the new minister Castaner. And Emmanuel Macron wrote to all the, I don't know how to say that, préfet, you know? No, not mayors. Préfet represent the states in the different French departments. Governors, yeah. In the US, you would definitely call that governors. I don't know whether in France it is the same term, but in the US it would be the equivalent of the governor. They are not elected, they are nominated by the states, and these people represent the state within the departments, the French departments, and now they will have a reflection about how to regulate Islam in our country. And That's completely disconnected with how we see laïcité. Alors le test, ce sera sur la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Alors Marlène Schiappa, sa ministre, assure que ça se fera, mais on sent dans une partie des députés et des militants en marche qui ne sont plus tout à fait favorables. Donc ce sera un test intéressant et bien évidemment l'extrême droite y est opposée. So one of the forthcoming tests is medical assistance, you know, for procreation. I don't know the English acronym, but you know it's medical assistance for procreation. When homosexuals want to have a child, they can be helped by medicine. And for the moment, it's not legal in our country. It's legal in other countries, Belgium and countries like this. And so Emmanuel Macron promised during the presidential election that everybody will have access to this medical this possibility to have babies, even if you are homosexual. So the Minister Schiappa of the government is favorable to that, but more and more members of parliament that of Macron's party are opposed to that, and this is also something they share in common with the far right, to be opposed to the medical assistance for the homosexual women. Voilà. And that's it. Now we'll have a break. So, myself,
Francesca, I'm from the UK, Yoram from Germany, and Niels from France. We're going to give our contribution to the discussion on whether finance and the extreme right have a common interest. So this is just a brief outline of our presentation. We're just going to discuss and briefly define who the extreme right is, what populism is, and what the extreme right populists have been doing as an electoral strategy, and also once in power, and whether this changes, whether they have the interest in finance, and giving some examples, mainly focusing on France, and then with a conclusion as well. So what is the extreme right? So we're going to use interchangeably the terms far right, extreme right, radical right parties. But these parties are generally characterized by extreme nationalism, nativist superiority, and also authoritarian tendencies. Mm-hmm. In recent years, we've seen the rise of the populist far right, especially in Europe. It's in a sense the far right trying to demonize themselves and broaden their appeal. And the kind of key definitions that people give of populism are that these parties are focused on creating an antagonism of us versus them. And in the case of the extreme right populism, this focuses on us as the culturally hegemonous native peoples and the others, usually immigrants. But populism is also something not just to the right, but also the left. So in the left, it's us, the normal people, and then the elites, or the rich, or bankers. Okay. And then there's other definitions that see populism as kind of creating a coalition. It's like the people supporting the populist parties are not homogenous. They're like from within the country, they're from the working class, middle class, upper class. Mm-hmm. And also there's often a kind of cult of personality around the leaders of these parties. So in terms of the economic policy of these right-wing populist far-right parties, it's quite, there isn't really a one-size-fits-all. They take on a lot of different policies depending on national factors such as history, politics, and culture. But also within these parties, there is division on their kind of economic positions. So they're generally, they can't be put on kind of a traditional left-wing, right-wing policy basis. Some scholars have argued that they try to use a mixture of both like left, traditionally left of right-wing policies in order to broaden their support, such as reducing the welfare state, but then at the same time increasing benefits for those who are like the native population. However, there are many examples of populist far-right parties getting into power and then actually also favouring strongly economic liberal policies, which can be seen as actually against the common interests of the people that they supposedly represent. So it's important not only to consider what the extreme right, the far right, populist far right are saying in their rhetoric, but also what they're doing once they get into power. So I'll hand over now to Yoram. Thank you. Okay, so yeah, let's look at the electoral strategy of the far right. First of all, we wanted to get a general look of the environment that in which this electoral strategy is happening. Something that you've also done in your text. First of all, it takes place in an environment that we are studying a lot in the moment, in an environment of neoliberalism. Another thing is a technocratic organization of Europe, something that is often criticized during the election campaigns by far right, by also by other
parties. So one example is the Eurogroup that is in charge of economic policy. We have one quote from Wolfgang Schäuble, former German minister, who... For which this is maybe quite a good metaphor or a picture. As far as I remember, he said this looking at Spain, who just elected a new government and were hoping now to change the economic policy, for example, on Greece. But for him, that was not going to happen because the economic policy is decided by a more technocratic organization in Europe. Another example, it was in France in 2005. There was a referendum whether or not to join the European treaties at that time. Yeah, what happened was that they said no in the referendum, the people. What then happened is that this didn't matter and it was implemented anyway. So the 2005. It was implemented by Nicolas Sarkozy in 2007. Yeah. So these are two examples. Very big, and another general thing is a language and culture of fear that is used by most right-wing populist movements during their campaigns. We've seen this around the world, but we are focusing on Europe now. Very central is the idea of otherness. So one interesting sociologist and philosopher from Poland is Zygmunt Bauman, for example, who wrote The Fear of the Other. So this is a very central idea to identify majorities and minorities, construct them, and then use these different groups against each other in a given society. This, of course, is not only the far right, it's also other movements that do this, but I would say maybe that the far right is doing this explicit. And we have in all societies that this happens, of course, also implicit. Lastly, an anti-elite rhetoric. It's also a general thing. For example, against international finance, we get a lot of Soros bashing, for example, in Germany in the moment. But that started, I think, in Hungary, where Steve Bannon, that pre-Trump, went to Hungary and criticized Soros and made him an evil picture of the international finance. What we want to do is though to add to your presentation, of course, a little bit. So we want to go a bit more into detail. We have two examples in just a bit. What we found, and this is written there in a little bit of popular language, but let me explain it also. That the connection between the far right and finance is an ambiguous relationship. We should in many cases define finance. I think that maybe could be a question also for later. Who actually is this finance? I'm just going to talk now for pro-rich policies. What we have is on the one hand that the far right is actually in favor of a strong executive. A strong state for the rich, and on the other hand, is deregulating markets, is deregulating social policy, so a weak state for the markets. The second thing, where it's a very ambiguous relationship for the far right, whereas Macron might be different, is that the far right would be against international capital, as we just saw on the general slide. But it's very much in favor and working in the interest of national capital. We had a case yesterday in Germany where the president, Alice Weidel, so one of the two from the far right, is actually now in focus of an investigation because she got a very big donation. Obviously, this is not closed at all, the case, but it's just interesting to see. So I will just quickly elaborate a little bit, maybe what we can see from Germany. This party started actually from in my old university in Hamburg from an economic professor, very liberal, neoliberal professor, and then changed its face over the time. He's out, and they are now more nationalistic, more radical, extreme.
So initially, they were not racist, right? They were just neoliberal. They were founded by this professorship. A number of professors. Yeah. They were founded by evangelists, I think you would call them. So very strong church and landowners. It's actually very interesting to look at the founding dynamics. Yeah, I mean, the main perspective was to leave the euro. Yeah, anti-euro. But the main perspective at the beginning was to leave the euro, and then it came to immigrants and this kind, but not initially, right? Yeah, it was very focused on that, but already in the beginning they had certain groups like evangelists and landowners from the north. It was founded there. Des propriétaires terriens, des évangélistes, quand même au début, dès le départ. Okay. But yeah, to just to get to the cut it short now, so they changed over the time, and are trying to get. Yeah, from a very neoliberal start, getting more and more also points into their policy, which are maybe for the workers, mm-hmm. because that's some people who they vote. So they have a very ambiguous program. Like they have a lot of deregulation, but at the same time now in their newest program, they say the minimum wage should stay. Okay. Partly. Ils sont pour le maintien du salaire. Yeah. Ouais. Partly. Partly, of course, because maybe it's working. They've seen it's working. Yeah, just to end, interesting point for us is maybe that that the market liberal parties from the ages before, so that they were in power, they had like one founded theory that they go back to market liberalism, and now we see with the far right. So it's just an interesting point maybe for us that they kind of cherry pick from different theories. So they don't seem to have one economic theory they go back to, but yeah. So it's I think maybe an important point for us heterodox economists to look. Are they sometimes also looking at theories that are from heterodox economists? Yeah. Mm-hmm. I will hand over to Franz, the representative of Franz. So I'm going to talk about a case that Mrs. Ressiguier already talked about, which is the case of the FN in France, now the RN, Rassemblement National. So there's been a very, very clear shift in the economic policy ideas of the FN. First of all, what we can deem is like the first FN, in a way, led by Jean-Marie Le Pen, the father of the current leader of the RN, Marine Le Pen, used to be, especially in the 80s and still in the 90s, like always referring to the liberal ideologies of the transatlantic world, like the English-speaking world, with Margaret Thatcher and Reagan. This is clearly the mentors, the economic mentors of Jean-Marie Le Pen. And now we have a very clear shift of when one looks at the program, the economic announced program, of course, is just announced measures. It's not certain, it's not what the FN plans to do once they're in power, but it's far more complicated. And as the AFD, it draws from very different types of ideologies in terms of economics. But one other thing which is extremely interesting in the case of the FN is like there is a clear disparity among members and among different candidates. Oh. Might take the example of Marion Maréchal Le Pen, now called Marion Maréchal. She used to be a representative, like one of the youngest representatives. She tried to get elected for the region in 2015 in the region PACA. So it's a region of the south of France. This is Provence, Alpes, Côte d'Azur, so Provence and the Alps. She didn't manage, despite she was first at the end of the first round. But what is interesting is her, program for this, which was a very, very conservative program, economically speaking. In order to be heard and to be appreciated by electors from the traditional neoliberal rights. And even if she really claims a lot of time that she doesn't want any conflicts and she doesn't want any political disagreement with her aunt, she has a very, very different political line, economically speaking. So even in right-wing, in the case of the FN today, there's no unity in terms of economic background, as an electoral strategy, of course. So now to look at the case of Hungary, where there is a sort of populist far-right party now in government, led by Viktor Orban. And in terms of their economic policy, it's also quite a mixed picture. So on the one hand, Orban talking about making the nation a great global competitor
in the years to come, and also having some quite interventionist policies in the economy, such as renationalizing some firms that were initially owned by foreign investors. But actually, after this was done, these firms were then sold to people who are allies of the government of Orbán in Hungary. So it's sort of like more of a shift away from supporting the kind of international finance to more national finance, perhaps. Mm-hmm. But also at the same time, the government is said they're increasing certain benefits and increasing money spent on schools. But at the same time, they're also making significant changes to the tax system. So they've significantly reduced corporation tax, and they've also now introduced a flat rate of income tax. So everyone now pays basically the same rate of tax. So it's quite a regressive system in a way. It's actually a tax system that's now better for the wealthy elite than ordinary people. So it's more a case overall that the economic policy of Hungary supports the national elites, the national kind of financial elites, you might say. I will go quite fast on this one. The example, especially because I'm not an expert on Italian politics, the Italian case is very interesting because there's been like the party in power is a coalition actually of an extreme right party, one we can deem very easily from the extreme right, the former Lega Nord, which is the League now. Only, and the Five Star Movement, M5S. And what is extremely interesting is that the M5S had clearly a far more social program than the League ever had. And having the two of them in the government, you can see actually how the discussions and how the compromise is being made between the two parts of the government. And what's most interesting in here is that the Five Star Movement had for a lot of progressive economic ideas that they wanted to put in place. For instance, they wanted to come back on the Jobs Act, which was a very neoliberal reform of the labor market. And we can take a very fast example because we don't have time. For instance, on temporary contracts, there was this will of the Five Star Movement to go back to a system where companies have to declare every time they would issue a temporary contract, un CDD. And what actually happened because of the negotiations with the League, they have to actually make compromises. The League pushed so that now companies have to declare temporary employment, but only when they are renewing a contract, which is a far less powerful measure that actually might very well bring more precarity to workers inside of the jobs, who are employed for now, because they can be actually fired to take another worker for who the company will not have to justify. And so everything is a line of compromise except concerning immigration. I think we've all heard about the current politics of Italy towards immigration, and this has not made compromise. And there's a firm anti-European action that is still staying, and which makes now Italy kind of the bad pupil in Europe instead of Greece a few years back. If I may, in Italy, the people who have written the program of the Five Star are very close to us. Pasquale Tridico, who is in epoch now. Pasquale Tridico was meant to be the Minister of Labour. And Andrea Roventini, which is from the left, was meant to be the Ministry of Heavy Economy. But they said that they would not go to power with the far right. But still, Pasquale is still advising Di Maio on labour market reforms and trying. But still, the Italian government has decided not to implement the formal reform of pensions that was very neoliberal. So in the Italian case, it's very, it's not the far right like in Hungary. No, but it has a component of far right. The League is far right, but what is interesting,
Clearly not. I didn't say five-star is extreme right. Yeah, what sure. I used that to prove is the way the league was pushing on the economic reforms. And they are winning. Yep. Yeah. They have a lot of power. Yep. So I'd like to come back very fast to finish on the case of France, because we talked about the kind of all theatrical coup which was made around the second turn. I don't know if everyone knows how the French presidential elections work. No? No, but you okay. have to so it's a personal election, so you vote for a person who has had 500 signatures from mayors from towns, and once you have 500 signatures, you're allowed to run for the election, and if you get the absolute majority, you're elected. If you don't, then there's a second round among the two best candidates. And the thing is, from the beginning, because of the previous regional elections, because of the previous European elections also, we know that the party which gets the most votes is the FN, the extreme right party in France. And so the question was not who's going to be in the second round like this, it was who's going to be in front of Marine Le Pen at the second round. And the whole point is there was a very strong Mrs. Rixiguer said, a very strong use of that far right as a scarecrow. And the last time the far right was in the second round in France was 2002. And it really was an electoral scarecrow, because the person who is in front of them is able to say, it is me or fascism. And then the debate is not on their ideas, which are discussable, they're neoliberal most of the time, but it is on, do you want fascism or do you want progressiveness, do you want democracy? And so this is exactly what happened in the presidential elections of 2017, with Macron presented as a candidate of the new world to be able to crystallize the will of new policies. And also, he had a strong, extremely strong media support. What I'd like to precise on that is I don't really like the fact, the way of presenting it, which is he worked with the media in that way. I think he rather filled a position that these powerful media that are really centralized in France, we have a very small number of families owning like a large number of mainstream media, press most of the time, there's also TV, which is in the same case, and he filled exactly what they wanted. He was pro-European, he was clearly liberal, he had a progressive image, that was exactly what they needed. So he was really, how would you say, reinforced by the press, with journals like Le Monde, with journals like L'Express, or even with journals that are normally like linked to the left, like Libération, who even had a sign for the second round, which was, do as you please, but vote Macron. that was a huge first page with like the face of Macron just underneath. So, and the disuse of the extreme right scarecrow was federating left-wing voters, which were not really neoliberal, and actually they actually realized afterwards what they did, around a neoliberal candidate. And so this is the very point. Because of that all process in France, there's a clear impossibility to properly discuss economic matters, because the idea of faire barrage, of like put a shield in front of the FN, is making there's a total impossibility to criticize the running power, because otherwise it means that you are kind of supporting a weakening of the Progressive Party against the fascism and the extreme right. And this is exactly the strategy that is, sorry, I wrote 2018, this is 2019 for the European election. Yeah. And it's exactly the strategy that Macron is adopting for the European election. He's presenting himself as their candidate of progressive net of the right. So it's evacuating any economic debate. It's just is fascism and populism, or what is deemed rational and progressive, which is him in a way, and his candidates. So, and so the main discussion points that we would like to bring is that it's extremely complex to find any consistency in extreme right policy in Europe. First, because there's a big difference in parties. And like parties do not come from the same place, they don't take the same electoral space, and they don't have the same population in between like that's voting for them. So it's extremely complicated to make a proper typology on that. But it's also
due to the fact that a lot of them are not in power, and like we are, it's extremely complicated, for instance, to understand what the FN would do exactly in power, what they would confront themselves to, or what kind of policies they would try to push. Because as we saw with Hungary, they're pushing neoliberal reforms, but still with a kind of social talk and social discourse on it. Even in every party, the discourse is very varied and completely inconsistent, and really depending on the electoral deadlines and on the parts and on what's happening in the media. It's really like they have no unity really on that discourse. There's kind of a European inconsistency of the extreme right, of course, which the extreme right is mostly nationalistic. Very nationalistic and quite xenophobic, and they use the European institution, especially the European Parliament, to federate and to organize themselves and to make links between the parties. But we can still find a few common points that we did. It's like there's a clear national regional preference, but support to capitalism in that frame, which is the case of Marion Maréchal Le Pen for PACA. It's capitalism, but for a precise region, for a precise country. It's really that idea against the finance, the global finance against global capitalism, and there's a clear refusal of the technocratic international Europe. So they criticize the lack of democracy of Europe because it's a technocratic authoritarian system. But as you know, the European Commission is not elected and has a lot of power, contrary to the European Parliament. But they want, instead of that, they want an authoritarian national system. Like, it's not a question of democracy or not. And there's actually something which is a relative absence of insight relating to finance itself. There's no point in most of the programs that I read about finance in itself. There's a criticism of global finance, of Soros, and of the consequences of 2008, of those two globalizations, one which was good for the rich and the same one which was actually extremely bad for the poor. But there's no question of finance in itself and as a system. This is something that is completely absent. Yeah. And something that we would like to put the debate on that we didn't have to, didn't really have time to properly frame, which was what insights can we draw from that discussions from the political strategy of the left? What can the left do? So I don't know if you would like to react first or if you want to skip right now to the questions. Je peux réagir un petit peu? Tu as déjà le micro. Ah oui, je l'ai déjà, moi, c'est toi. Oh, you can stay here. Trois questions. Après, ils vont poser trois questions. Ok. Donc, tu peux rester là. Enfin, pas... okay. Ah, donc, 9 questions. Bah, 9, attends, je prends un stylo. Je suis pas en robe. Il y a juste deux choses où j'ai envie de réagir. D'abord, je vous remercie pour cet exposé. C'est, so there are two things on which Muriel would like to react. C'était sur le fait que le discours de l'extrême droite changeait selon la population et même on le voit chez nous selon les régions, c'est-à-dire selon les gens auxquels ils s'adressent. Et ça, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire, pour moi, qu'ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils feraient. Ça veut juste dire qu'ils s'adaptent, ils disent aux gens ce que les gens ont envie d'entendre. Yes. So the first thing is that the fact that depending on the place, depending on the region, and even in France, they have different speeches, doesn't mean that they don't have a clear vision about what they would like to do if they come to power. C'est une stratégie pour plaire aux gens et pour arriver au pouvoir. On voit qu'en France, on le sait, ça a été étudié, selon les régions et selon les endroits, c'est du ce qu'on appelle le national-socialisme, c'est-à-dire avec un discours un petit peu, entre guillemets, à gauche, un petit peu social, et dans d'autres endroits où l'électorat n'est pas le même, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus libéral. Mais pour moi, ce n'est qu'une stratégie. So for Muriel, it's only a strategy, because in some places in France, they have... a kind of national socialist discourse with proposals that are from the left and in other places are much more neoliberal. But it's only a strategy. On retrouve ça aussi sur des sujets de société, par exemple sur l'homosexualité. Certains ont un discours un peu plus tolérant et d'autres, à d'autres endroits et selon à qui ils s'adressent, sont clairement homophobes.
So, and you also find this on issues related on social issues like homosexuality. In some regions are much more tolerant, and in other regions are clearly homophobic. Par contre, on les retrouve sur la peur de l'autre et la peur de l'étranger, et on retrouve aussi partout la négation de la lutte des classes. Il n'est pas question de lutte des classes. But what they have in common is the fear of the others and the rejection of the idea of struggle of the classes. Votre question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire en face et que peut faire la gauche par rapport à ça, en termes de stratégie. So the question was what could be the strategy of the left against this. Alors, au niveau de la stratégie parlementaire, moi je reste convaincue que déjà il ne faut pas déserter, donc il faut participer au débat, il faut être là, et je pense qu'il faut à la fois expliquer aux gens et être exigeant dans nos explications, c'est-à-dire qu'il faut politiser les débats. Je vais prendre un exemple sur ce qui va se passer le 17 novembre. One second. One of the aspects of the issue is to come and to be there and to take part in the debates and to politicize. Does that exist? Politicize the debates. And the example will be what is going to happen next week on the 17th of November, right? 17 novembre. Ouais. Ça, c'est pas parlementaire, mais je reviendrai après sur le Parlement. It's not in the Parliament. Huh? Le 17 novembre, il y a quelque chose d'assez inédit. C'est un mouvement qui s'est lancé d'auto-organisation contre la hausse du prix des carburants, de l'essence. So on the 17th of November, you've probably heard about this. There will be there is a movement against the raise in the price of oil for cars. Okay, the government has decided to raise the tax on oil and on an ecological pretext. Oui. And there is a movement that has self-organized against this raise of taxes. Très très vite, le Rassemblement National a fait circuler des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont eu un énorme succès, récupérant l'initiative du mouvement, à tel point que et certains syndicats, notamment Solidaires et la CGT, qui sont des syndicats très importants, ont senti qu'il fallait se désolidariser de ça, mais en réalité c'était un piège, et le Rassemblement National a failli récupérer cette initiative-là, avec le côté « on vous comprend, vous n'avez pas d'argent, c'est inadmissible, on ne peut pas continuer à taxer les carburants », mais sans aucune réflexion politique de fond, par exemple sur le pouvoir d'achat, sur la redistribution des richesses et sur la justice fiscale. Pas de remise en question de l'ISF, etc. C'est ce que j'appelle une escroquerie. So the Rassemblement National, the far right, started to circulate videos on the different social networks about this movement. So they are trying to make the movement theirs. Recupere, how do you call that? You have a movement and you want to... You have a move. To hijack, yeah, hijacking, like a car or a plane. To hijack the movement and the trick, you know, seeing that some unions, left-wing unions, almost did not support the movement, and it was a trap not to support this movement. Et tu avais fini sur trois aspects, trois choses que tu voulais dire. Attends, juste sur ça. Oui, tu avais fini, il y a un truc que je n'ai pas traduit sur les trois. Voilà, c'est juste. Yeah, so it's hijacking, but there is nothing about the purchasing power. Redistribution des richesses, justice and fiscale. And the distribution of income and fiscal justice. Yeah. Et quelle est la place de la gauche dans des situations comme ça? Une fois qu'on a vu qu'en fait, ils n'ont pas réussi à récupérer vraiment le mouvement. So they did not manage to hijack this movement. And the question is, what should the place of the left wing be there? Je pense que nous, notre rôle,
c'est déjà de se rendre compte que c'est un mouvement d'auto-organisation assez inédit. C'est rare qu'on voit ça. On a vu ça hein, pour les bonnets rouges. Mais nous, notre rôle, c'est de politiser justement ça et de dire aux gens, c'est pas juste un problème de carburant, parce qu'une fois que ce sera le carburant, il va y avoir autre chose qui va augmenter, il va y avoir les tomates, il va y avoir le pain, il va y avoir le ticket de métro, et à chaque fois, vous allez aller dans la rue pour le ticket de métro, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'en fait, il y a un problème de pouvoir d'achat, un problème du fait que les salaires sont trop bas et ne permettent pas de vivre décemment et dignement, et de dire aux gens, politiquement, de leur donner un petit peu conscience des leviers sur lesquels on peut appuyer pour justement aborder les vrais problèmes et régler le problème de pouvoir d'achat. Moi, je voudrais que les gens n'aillent pas juste dans la rue le 17 novembre pour l'essence, mais pour dire il y a un problème de pouvoir d'achat et on veut que les salaires augmentent et on veut une redistribution des richesses et une justice sociale. Et ça, c'est notre rôle d'élus de gauche, de politiser les débats et de ne pas faire croire aux gens qu'il suffit que l'essence n'augmente pas et que tout va aller bien. So, the role of the left here is to politicize the debates. So, to avoid people just getting out next week just about the price of oil, and we have an issue of purchasing power, wages are too low, and to make people aware that it's possible to act on a more global, with a more global vision about redistribution of wealth and increasing wages. Not only to go out on the streets against the increase of the price of oil. This movement is quite new, by the way. It's quite new, that's what you were saying. Yeah. It's spontaneous. Yeah. Il n'est pas initié ni par les syndicats, ni par une organisation politique. Il n'est pas initié par les citoyens. By unions or any political organization. Okay. So, if possible, maybe for you that we can take 3 questions at a time. Yeah. Okay. And make 2 rounds because of. 2 rounds, yeah, because I also need to translate. So don't try not to make another presentations because. Please. But this way it's easier for me, the other way around. Yeah, who has a question? Can we do it? So introduce yourself. Huh? Hello, I'm Luise, I'm from Austria. And as you may know, we have a far-right party in the coalition now with the Conservatives. So thanks for your insights. They sound very familiar to me, actually. I just would be interested in, like, it's one question of interest regarding the Front National's take on social housing and social housing policies and programs. So if they also have their neoliberal orientation in this respect, that would be, I would just know if you know something about that, especially compared to the takes on the left side. And if I may add something else, it's a more a provocative comment on the topic. Namely, the fact that the far-right parties have a rhetoric of social equality and fracture sociale for the droite, c'est la fracture sociale. For the lower classes, but their actions are clearly neoliberal, as you also pointed out, the group of colleagues. But should we not be really happy about that actually, because it would be really threatening if they, on the contrary, would follow. Let's say a national social racist program, because that would really, really take away everything the left can do against it. And because they still follow the neoliberal path, it opens the possibility for the left to win the battle from the left side, so to say, to promote to increase wages and to improve social benefits and wages. Okay. And that stuff. Traduis-moi juste pour que je sois sûr d'avoir bien tout compris, mais je crois que j'ai compris. Pour être sûr que je ne fasse pas de contresens. Bon, pour Louise, quelle est la position du Front National? Donc Louise est autrichienne, donc elle sait ce qu'est l'extrême droite, puisqu'ils ont l'extrême droite au pouvoir. Quelle est la position du FN concernant le logement social? Oui. Voilà. Est-ce qu'ils sont aussi sociaux là-dessus ou pas?
Et question plus provocante, est-ce qu'on ne doit pas se réjouir que l'extrême droite ait cette rhétorique d'égalité sociale dans un contexte où finalement les chances qu'on arrive à... J'ai bien compris, hein, c'est les chances qu'on arrive à avoir ça... Non, parle, non. Qu'on se réjouisse qu'elle suive l'agenda néolibéral. could you repeat the end of your question? Shouldn't we happy about the fact that they have? Happy about the fact that they are neoliberal and not. Ah oui. Est-ce qu'on devrait pas être content? Oui, j'avais pas compris. Est-ce qu'on devrait pas être content finalement du fait qu'ils sont néolibéraux quand ils sont au pouvoir plutôt que de faire du social, quoi? Parce que comme ça, c'est clair. Oui. Ouais. Comme oui, c'est ça. Je suis désolé, mais I did not understand your question properly. Okay. Okay. So, second question. Introduce yourself. Hi, I'm Louisa. I'm from Brazil, from Option C. And yeah, I think it's definitely a global movement. And we also had this experience in Brazil. And it's really funny to hear about this movement that you have in the 17th now, because we had something exactly the same as you described in June, I think, movement against the increase in oil prices, and it was also very horizontal and not organized, and it really gave a lot of strength to the far right, definitely. And I think something that, at least for us, it was very clear, it was that the far right managed to get a lot of votes as presenting itself as something very new and from outside the system. And I think that was a way that the right managed to be a new solution, something that didn't exist before. And I think the left, not only in Brazil, but in many places, failed to present itself as something new as well. It seems really old, and I don't think we know how to convince people that the left is also an option, and it's not like the failed system anymore. And I would like to know from you, like, is this the case in France? And if so, how can the left also renew itself and rich people? Okay. Donc tu as compris la question? En gros, que le FN apportait quelque chose un peu de... Non, les Brésiliennes, et donc ils ont eu un mouvement aussi au mois de juin sur le prix de l'essence, et donc que l'extrême droite a réussi à récupérer. Ouais. Et puis le coup de force de l'extrême droite au Brésil, ça a été de convaincre les gens que c'est nouveau. Ouais, c'est ça. Et alors que la gauche n'y est pas parvenue. Et donc, d'accord. Okay. Voilà. And the question was? La gauche est toujours représentée comme quelque chose de vieux, de vieilles idées, de vieux machin. La gauche pourrait se renouveler pour dépasser cette idée d'échec, en fait. Ouais. Okay. Okay. Comment la gauche pourrait apparaître comme quelque chose de neuf? C'est comme ça que j'ai compris la question. How the left could appear as something new, right? Yeah, how can we reach people now? Okay. Comment on peut atteindre les gens, quoi? Ah, ça, c'est encore autre chose. Hi, yeah, my name is Sophie. I'm from Option B. I'm from Germany. I have a question that goes in a certain sense in a similar direction. Well, we are having class regularly in the north of Paris, and when you're traveling Paris, you notice the segregation within the city and among the people. And I wonder what politics, or like particularly the left, is doing in order to reach people from that are victim of the segregation and that are victim of the politics, and against which the far right is definitely making politics and like trying to raise voices against them, although they are part of the French society, but due to their colonial background, like France's colonial background, they are basically victims of a certain political ideology that's currently preparing. So I wonder what's done in order to reach these people, not only to bring the will, the economics of the small person back, but also in order to transform the society, in order to reduce segregation. So if you can integrate these people somehow in the political process. Ah, d'accord. Alors, en fait... Ah, mais c'est de la triche. Oui, je pense que c'est même mieux en français. Elle me torture. Ouais, je suis désolée. Alors, bon, il y a une telle ségrégation dans la société française, et on se rend compte de ça tous les jours. Et en fait, je me demande ce que la politique de la gauche fait pour essayer d'intégrer ces gens, pour en fait mettre à l'agenda leur vouloir économique, mais aussi pour en fait les intégrer dans le processus politique, dans le
pas intégré dans la société, mais en fait, les intégrer beaucoup plus dans tout ce qui se passe et pas les mettre, laisser en victime d'une certaine idéologie politique qui le Front National est en fait en train de détruire dans la société. Mmh. Alors, parce que pour moi, c'est pas que une possibilité de changer l'économie, mais c'est aussi la possibilité de changer la structure de la société française. Bien sûr. Donc ça, oui. So that's the end of the first wave, right? Yeah, I kept it the second wave to two people because we are running out of time, so maybe we could collect those two and then... Comment tu... Maybe you should... Alors, je vais répondre. Yes to, yeah. To, yeah. OK, donc tu réponds et puis il y a deux questions. Okay. C'est bon? OK. OK. Alors, quelle est la position du Rassemblement national en ce qui concerne le logement social? Alors, c'est très simple. Ils ne sont pas pour en construire davantage. Hein. Par contre, ils disent qu'il faut qu'ils soient en priorité, voire exclusivement, selon qui nous parle, réservés aux Français. OK, so the position of the Rassemblement National on social housing is very simple. They are not in favor of building more, but this social housing should be reserved in priority to the French people. Ah. Après, c'était « Doit-on se réjouir que l'extrême droite ait un discours néolibéral quand ils sont au pouvoir et c'est censé nous faciliter la tâche ?» Yes. C'est ça ? Mm. OK. Alors, j'espère qu'on ne le verra pas en France, qu'on ne les verra pas au pouvoir, mais ça pourrait arriver. Il faudrait déjà que les Français et que les gens chez nous aient conscience de ça. C'est-à-dire, comme on ne les a jamais vus au pouvoir et qu'ils se souviennent plus trop de ce qui s'est passé, hein, 45, c'est loin, ces choses-là, c'est loin, je crois qu'ils n'en sont pas forcément conscients. Et je crois qu'on est aussi habitué chez nous au fait que le libéralisme, maintenant, il n'y ait plus le choix. Hein, il n'y a pas d'alternative. On nous répète souvent, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On peut introduire un peu de social, mais à part des thèses ultra-libérales ou libérales, la nuance se fait là, le reste, on l'a essayé, ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, le libéralisme n'est pas si nouveau que ça, et le capitalisme non plus. Et que bien sûr, il y a la place pour une alternative. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr que le fait que le Rassemblement national ou l'extrême droite, quand ils arrivent au pouvoir, appliquent des thèses libérales, je pense que pour les gens, ça, c'est dans l'ordre des choses, puisqu'on leur répète qu'il n'y a pas d'alternative. Donc ils auront le discours de dire « on aurait bien aimé faire autrement, mais on ne peut pas, parce qu'on est tenu par la mondialisation, par l'Europe, blablabla ». OK. So shouldn't we be happy that when they come to power they implement neoliberal measures? First of all, in the present stage of things, we didn't have them in power, so they kind of don't know what they are going to do. And on the other hand, people are getting used to the idea that there is no alternative. It has been repeated over years, and people get used to it. So, and they get used to the idea that the choice is between very liberal, highly neoliberal policies or liberal policies. So they are getting used to it. Et le point le point que tu voulais faire là-dessus, c'était ils ont l'habitude donc. Je ne sais plus ce que je veux dire, c'est pas grave. Oui. Pour les vaincre et pour les combattre, je crois qu'il ne s'est pas seulement spécifié pas une stratégie spécifique contre le Rassemblement national ou contre l'extrême droite, c'est convaincre justement, et on a quand même pas mal réussi au présidentiel avec 19%, convaincre que oui, il y a une alternative de gauche et qu'elle est crédible, qu'on n'est pas juste des utopistes ou des rêveurs et que même au niveau économique, on tient la route. Et je crois que l'enjeu pour nous, il est là. C'est de convaincre les gens qu'on peut avoir une vision de la société fraternelle, humaniste et aussi écologique, qui tient la route, qui est réalisable. Et pour ça, il faut être très, très concret. Nous, on avait développé beaucoup de livrets avec des exemples et on avait chiffré le programme. Et on avait fait une émission de 4 ou 5 heures où tout était chiffré et où les gens pouvaient se rendre compte que c'était réaliste et pas utopiste. Et je crois que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de montrer qu'on peut avoir une société dont la valeur absolue n'est pas l'argent, mais reste l'humain et l'environnement, et que c'est viable économiquement.
Okay, so to defeat them, we need to convince people that there is a left-wing alternative, so that it's not only utopian, but it's doable. And in order to do that, the France Insoumise and Mélenchon has created lots of small books about different issues, employment, various issues like that, employment and so on. So, and they have spent something like 4 or 5 hours on YouTube trying to put figures around the different measures, okay, to convince that it's doable economically. And so it's not only a utopia to have a different society in which the values, the key values, would be human, ecological, and not only what, pas seulement financière. Oui, not only pas seulement tourner vers l'argent, quoi. Not only around money, money, money. Et aussi lutter contre les préjugés. Pendant la campagne, j'avais une collègue de travail qui est venue me voir et qui m'a dit « J'aimerais bien voter pour vous, mais j'ai un problème, je suis propriétaire. » Alors j'ai dit « C'est pas grave, enfin c'est pas très grave. » Et elle pensait qu'on allait lui prendre sa maison. Et alors je lui ai donné le livret qui expliquait. Et je lui ai dit, non, on ne va pas te prendre ta maison, on n'est pas contre la propriété, mais on est pour le partage, on est plus pour plus de logements sociaux, etc. Voilà. So, and another thing we have to do is to fight against a false idea that people have about the left. And an example is one of the colleagues of Muriel came to her during the campaign and said, I would love to vote for you, but I'm the owner of my house, so you will take it away from me. And Muriel answered, of course we are not against the fact that you're owner of your house, but you are more in favor of sharing. And that doesn't mean that she would have to share her house. Voilà. Il faut déconstruire cette vision-là, du rouge sanguinaire, révolutionnaire, et bête sauvage. This contract, the idea of the red guy who wants to do the revolution and have blood on his hands and this kind of Dans les interviews, souvent au début, les gens me disaient, c'est curieux, vous êtes curieuse, vous parlez calmement. Ils s'attendaient à ce que je hurle ou à ce que je fasse, voilà. Et ça, il faut le déconstruire. Et ça nous permet après d'être crédibles sur notre vision économique et sur le reste. So, in the interview, some people would say to Muriel, it's weird, you are calm, you speak calmly. So they waited for her to shout on this kind of things. And of course, that doesn't correspond to the reality, and we need to deconstruct this kind of vision. Pour être crédible après. To be credible, to be credible on the political level. Je crois que l'enjeu principal, il est là, c'est la crédibilité de la gauche sur ces questions économiques, parce que sociétal, on l'a, mais sur la question économique, souvent, on essaye de nous discréditer. Il faut qu'on gagne en crédibilité sur ça. So we need to be credible on the economic issues. Alors, sur le mouvement de l'essence au Brésil, comment se renouveler et comment atteindre les gens? Ça c'est comment pour apparaître comme quelque chose de neuf. C'est ça. Alors apparaître comme quelque chose de neuf, c'est difficile et en même temps c'est étrange parce que si on prend les idées par exemple d'Emmanuel Macron ou de la finance, donner toujours plus aux riches, l'autorégulation du marché et la négation de la lutte des classes et le mérite de l'individu. C'est vieux comme le monde. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Et ils ont réussi, je ne sais pas si c'est le média, je ne sais pas si c'est les pubs, à faire croire que c'était quelque chose de nouveau. Et en réalité, ce qu'ils proposent est vieux comme le monde. Voilà. So first thing is that what Macron and the finance proposed, to give more money to the rich, the denigration of the existence of the struggle of the classes is as old as the world. So they've sold basically here old ideas in old wine in a new bottle, right? Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire
disparaître ce qu'on appelle chez nous la classe moyenne, les classes moyennes, et on voit que l'écart entre les riches et les pauvres augmente de façon exponentielle, et ça nous ramène à des temps très anciens. Ça n'a rien de nouveau. Mais le paradoxe, c'est qu'ils réussissent à faire croire, alors plus vraiment que c'est nouveau, mais qu'on ne peut rien faire d'autre. Voilà. Et nous, tout notre enjeu, moi je dis toujours qu'on parle au cerveau et au cœur. Voilà. Et je crois qu'il faut... Il y a des gens qui ont égaré leur humanité, il y a des gens qui ont des vies très difficiles, il y a des gens qui pensent toute la journée où je vais dormir, comment je vais manger, est-ce que mes gamins, je vais pouvoir les garder avec moi. Et toutes ces questions-là, qui sont des questions de besoins vitaux, prennent la tête des gens, et les gens n'ont plus forcément le temps de réfléchir à autre chose et surtout d'agir. Agir devient très compliqué pour les gens, à la limite sur les réseaux sociaux, on va signer une pétition, mais se retrouver dans l'action et se retrouver dans l'action collective devient dans nos sociétés quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je crois que pour atteindre les gens, justement, il faut recommencer à aller vers eux dans des relations simples et, j'ai envie de dire, de face à face physique, de prendre le temps de les écouter, vraiment de les écouter, et pas d'arriver avec des discours déjà tout construits, et d'établir aussi une relation de confiance, parce que les gens ont l'habitude d'être utilisés. Et surtout dans les quartiers dits populaires, les quartiers modestes, on va les voir pour acheter leur voix, on va les voir quand on a besoin d'eux et on ne s'en occupe plus. Donc je crois qu'il faut déjà, nous, qui avons eu la chance d'être élus, montrer qu'on n'est pas comme ça dans nos actes. Et je crois que ça prendra un peu de temps. So they tend to, we have a tendency, but it's not only in France, right? We have a tendency of the disappearance of the middle classes, and the gap between the very rich and the poor increases exponentially, so to say. And they make us believe that there is nothing else to do. But facing that, we need to speak to, Muriel uses to say that we need to speak to the brains and to the hearts of people. And one of the issues that more and more people are concerned about their subsistence, you know, their what job I am going to do, how am I going to eat, and so their brain is fully into that, and in that time they don't have any time to think about this and to act. So Muriel thinks that we need to go and meet people face to face and to establish again trust relationship with the people. And this is very different from using them, that is to go and see them when you need their votes and then to leave them as they were. Et leur montrer aussi qu'ils sont capables de changer les choses eux-mêmes et de faire des choses. Moi, je travaille avec des associations, avec des gens, et je commence toujours en leur disant « je ne suis pas Dieu ». Je ne suis pas Dieu, mais je peux vous aider et vous pouvez faire les choses. Il faut redonner la dignité et la confiance aux gens, parce que les gens ont l'habitude, on le répète tout le temps, soit qu'ils sont nuls, soit qu'ils ne comprennent pas, soit qu'ils ne peuvent pas le faire et qu'il faut qu'ils laissent faire les autres. So, and we need to show to the people that are able to change things and to do things. And one of the first things that Muriel said to the people is that she's not God, but she can help them to do things. So bring back the dignity and trust of people. Okay. Après, sur la ségrégation, là, comment les intégrer dans la société. Alors, oui. Ouais, ce qui a été fait pour l'instant. Alors, alors quels sont les projets qui sont en cours là en ce moment, voilà. Parce qu'en fait... Je crois que vous avez soulevé un point important, c'est le point, alors vous avez parlé des restes des colonies. Hein. Et je crois qu'on n'a pas réglé, je le dis tranquillement, notre histoire avec la colonisation. Voilà. Et que ce soit une partie de la gauche, ou évidemment, on ne parle pas de l'extrême droite, qui rêve de les refaire, mais même de la droite et de la société française, mais même à gauche.
Et je crois que c'est ça qui rend difficile. La gauche qui a été au pouvoir, pour moi, a failli. On a eu SOS Racisme, on a eu des tentatives, mais c'est pareil, ce sont des gens qui ont été utilisés. On en a pris quelques-uns, qu'on a un peu fait monter, qu'on a un peu mis en avant. Mais fondamentalement, on ne s'est pas occupé. Par exemple, pour moi, une des solutions qu'on doit mettre en place, c'est la mixité sociale. C'est la mixité sociale dans les quartiers. On ne peut pas avoir des quartiers où il n'y a qu'une seule communauté parce que les autres ont les moyens de s'en extraire et puis eux non, donc ils restent là. Et quand on construit des nouveaux logements, quand on construit des quartiers, il faut penser à la mixité sociale. Donc il faut des logements sociaux, et oui, même chez les riches, même dans le 16e et partout, pour que les gens se mélangent, se connaissent et se parlent et ne se replient pas sur eux. Ça, pour moi, c'est une action que la gauche doit faire quand elle arrivera au pouvoir et qui est fondamentale. C'est aussi ne pas tuer ce qu'ils sont en train de tuer, c'est-à-dire l'école de la République. Si les diplômes n'ont plus les mêmes valeurs, si dans certains quartiers, il y a toujours les mêmes personnes dans l'école. Chez nous, à Montpellier, on a eu les femmes qui se sont battues dans un quartier du Petit Bar et qui se battent encore. Et qu'est-ce qu'elles demandaient ? De la mixité sociale. On veut aussi des petits blancs dans nos quartiers, on veut que nos gamins rencontrent d'autres gens et s'enrichissent mutuellement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a laissé les quartiers à l'abandon, on a enlevé les services publics. À la limite, si on avait pu mettre des murs, hein, on aurait pu mettre des murs. Et après, on dit, oh, mais ils veulent pas s'intégrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire être intégré ? Quand vous en êtes à la troisième génération, et qu'est-ce qu'il faut faire pour être intégré au bout d'un moment ? Voilà. Donc ça veut dire qu'on a failli. Là, clairement, pour moi, la République a failli. C'est pas trop tard. Mais ça veut dire qu'il faut... Pour moi, la priorité, c'est vraiment la mixité sociale. C'est de réintroduire des services publics aussi dans tous les quartiers et des transports en commun pour que les gens puissent sortir de leur quartier, pour que ce ne soit pas trop difficile pour eux. Et c'est aussi, évidemment, dans l'école et dans l'éducation, également aussi avoir une action, alors je ne sais pas si c'est les CV anonymes ou autre, mais pour l'emploi, parce que, je veux dire, c'est clair, on le teste. Moi, je l'ai testé quand j'étais dans ces quartiers-là. Pourtant, je suis bien blanche, je suis une femme, bon, voilà. C'est compliqué. Alors qu'en plus, tu n'es pas blanc, etc., c'est encore plus difficile. J'ai fait le test aussi avec un nom autre que Récillier, et pourtant avec ma photo, hein. Bon, pendant un an, pas de réponse. J'ai mis mon nom, j'ai eu des entretiens. Voilà. Donc il faut combattre. Ah, pardon. Oui, I need to translate this because there are so many things. So the question of the suburbs and the north of Paris and that. So it's a very important point, and it's a point that is related of to what is remaining of the French colonies. Right, and according to Muriel, the left wing has failed to tackle this issue. There have been some attempts, in particular with the association SOS Racism, so SOS Racism, but it has failed, and the solution is more social mixity, putting people from various classes, from various backgrounds together. And we need social housing, even in the rich areas, especially in the 16th district of Paris. And the other solution is stop killing the school of the Republic, the French Republic, because when now the diploma are based on where you have done your studies, then you're killing this school of the Republic. We have left these areas alone, we have removed the public services, and then we said, oh, these people don't want to integrate the French society, even after three generations. So the solution is to put public services against transportations, common transports again there, and to act for employment. This is also very important. Il faut aussi, bien évidemment, lutter contre le racisme, parce que derrière... ces relents coloniaux, il y a l'idée qu'on est supérieur et qu'on apporte la civilisation et la lumière. Voilà. Donc il y a une nécessité de lutter contre ces idées-là. Et puis,
aussi d'avoir une diversité, une représentativité de la société dans la police et dans tous les métiers, chez les enseignants et en politique. Alors déjà en politique, quand vous n'êtes pas d'un milieu socialement élevé, je veux dire, moi je suis, les gens comme moi, ce sont des ovnis. On n'était pas dans le casting. Voilà. Et d'ailleurs, on vous donne des circonscriptions, mais on ne pense pas que vous allez les gagner. Et puis paf, vous les gagnez. Bon. Et donc, c'est la réflexion sur le statut de l'élu. Et puis, il faut que les gens, dans leur tête, se disent déjà « Ah oui, tiens, je pourrais faire ça, moi aussi. Je pourrais y aller, je pourrais être policier, je pourrais être prof, je pourrais être juge, je pourrais être médecin. Tiens, je pourrais être élu, je pourrais essayer de changer la société. » Déjà, il faut que ça vienne à l'esprit des gens. Donc pour ça, il faut que les gens se considèrent comme quelqu'un d'important et qui a sa place dans la société. Voilà. Et je pense qu'il va falloir un petit peu l'imposer. C'est comme la question de l'égalité homme-femme. Hein. On est toujours moins payé, nous, et ça gêne personne. Alors, on s'en émeut un peu, on dit « ah oui, c'est pas normal », mais on fait rien pour que ça change. Et on a imposé la parité, et peut-être qu'il faudra réfléchir, à avoir une vraie réflexion sur ça. Comment on fait pour avoir en politique, pour avoir dans tous les métiers, et pour qu'on ne dise pas « Ah oui, toi tu es maghrébin, tu feras les chantiers. Hein. » Moi, j'avais une amie qui était réunionnaise, hein, donc française, et qui était black, et à qui on disait tout le temps, qui avait bac plus 5, et à qui on disait tout le temps, à Pôle emploi, on a un stage là, on peut vous faire du repassage ou du ménage. Elle disait, mais j'ai... Voilà. Et donc, il faut casser tout ça, et je pense qu'il va falloir peut-être passer pour ça par la loi, okay, pour l'imposer. OK. So, and of course, we should fight against racism, and we should fight against the idea that we bring to these people civilization and enlightenment, which was the idea of neocolonialism. We need more diversity in all the professions, including police, amongst teachers, in politics. In politics, Muriel is what the others would call a UFO, because she doesn't come from the higher classes at all. So, and all of a sudden she ends up elected, so as a surprise. So the thing is that it has to come to the mind of the people that they can do these kind of things, and they can be involved politically. And we also need more gender equality, because we don't have gender equality. We hear something sometimes in the media that it should be great and so on, but we don't have gender equality, especially when it comes to wages. And there is still this view that if you are an Arab, you can work as a construction worker. And a friend of Muriel came from the Réunion, meaning that she's black, you know. And she had a master's degree and Pôle emploi, which is a French employment the French agency for employment, would propose to her to be a cleaning lady, to iron the clothes, and this kind of things, and to change these things, we probably have to go through a law. Yeah. Oh. Okay. Yes. That's it. I have to apologize to you, Louis. So it's over. You can. Oui, je dois prendre mon train. We started a bit c'est late. Presque 5 heures. Okay. We need to finish. To yeah. Catch we need. Train, right? Yeah. Yeah. Excuse me. Thank you very much to you. Thanks to you. Merci.